Good morning, allez, Iden, mes yeux sont aujourd'hui, les Nishmat, Mori Rabbi Shmuel, Ben Shalom Zalman, Nissim Ben Nahuda, Sarah Batrana Rachel, Shomo Ben Esther, Risha Batraim Nechemia, ainsi que les Refouat, Avraham, Mori Ben Reout, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Zvachim, Perikret Mishnah Aleph. Kol Zvachim, Shinitaru, Bechatarot, Ametot, O Beshor Aniskal, Afelu Echad Beribo, Yamutu Kulam. Itaru Beshor, Shenevda Bo Avera. O shemit et Adam al pied echad, o al pied abealim, barovea, o banirba, o bamukze, o baneevad, o baetnan, o bamechir, o bakilaim, o batrefa, o bayutzedofen, yuraou, ad sheista avou, vimacherou, veyavi bidmea yafeshe baen, meotuami. Nita rev bechulin tmimim, imacherou achulin netzorke, oto amin. Principe de la Mishnah, il est simple. Trois cas de figure dans la Mishnah. Le principe assez évident, ben on va l'expliquer, on va introduire tout ce qu'il faut. Le problème ensuite de la Mishnah, c'est qu'elle va parler de plusieurs exemples. Et chacun des exemples va nous prendre un certain temps à expliquer. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est de poser les généralités. Il faut, avant de poser les trois généralités de la Mishnah, il faut d'abord une première introduction. C'est que faire avec un korban est-ce qu'il y a la possibilité de racheter la sainteté d'un korban? D'abord, il faut savoir que je ne peux pas racheter un korban. C'est-à-dire, imaginez que, un cas simple, j'ai sanctifié un mouton pour en faire une hola, et puis après, je réalise que je préfère l'autre mouton, il est plus beau, il est plus gras, je préfère l'apporter à l'autre. Je n'ai pas la possibilité de transférer la gdoucha, de le racheter, ni sur de l'argent, ni sur un autre mouton. Il y a l'interdit de... D'accord ? On ne peut pas être podé, la gdoucha, ça s'appelle, on ne peut pas faire un pidion. Racheter la gdusha, on ne peut pas faire une tmoura. Tmoura, c'est transférer la gdusha. C'est pas possible. Maintenant, le problème qui va être évoqué dans la Mishnah, c'est un certain de différents cas de figure, où par exemple, je vais me retrouver avec des corbanotes, des bêtes qui sont shlamim, mais que je ne vais pas pouvoir apporter au Beth Amikdash à cause d'un problème qui a survenu à l'intérieur d'elle. Et la question va être, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? C'est-à-dire, imaginez que j'avais... Par exemple, deux agneaux, un qui est apte à devenir un que j'ai sanctifié pour en faire une hola, hein, qui s'est mélangé avec un autre agneau qui ne peut pas devenir une hola. D'accord? Ils se sont mélangés tous les deux, je ne sais pas quoi faire maintenant avec les deux. D'accord? Je prends un cas simple pour le moment. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas les apporter au Beth Amikdash et les égorger tous les deux. Alors, si j'avais la possibilité de racheter la Gdusha, ça aurait été l'idéal. J'aurais pris la valeur d'un agneau. Et j'aurais dit, bon, l'agneau kadosh, celui qui est kadosh, que cette gdusha soit transférée sur les pièces, et après j'utilise ces pièces pour aller acheter un autre korban, et comme ça j'ai résolu mon problème. Le problème est que je ne peux pas racheter un korban. Quelque chose qui est kadosh, donc gdusha taguf, un animal qui a été sanctifié pour pouvoir en faire un korban, je ne peux pas racheter cette gdusha. J'ai toutefois une possibilité de la racheter en remplissant une certaine condition, c'est que le korban devienne inapte au misbéach. Comment il faut faire? Ben c'est simple, il faut le garder à la maison, on n'a pas le droit de l'utiliser, de travailler avec bien sûr, on le garde à la maison jusqu'à que un jour il va se faire un moum, un défaut, qui va l'invalider pour devenir un korban. Par exemple, il va se crever un œil, il va se faire une blessure, il va se fouler la patte. Il va se faire une blessure qui va faire que maintenant il ne pourra plus être un korban. Ça peut même être très simple. Une petite entaille sur l'oreille, par exemple. Il y a tout ça, on en parlera essentiellement dans Brorot. Les moumim. Les moum, un moum, c'est un défaut. Quels sont les moum requis? D'accord? Donc, la solution que j'ai, je reviens maintenant sur mes deux agneaux, celui qui était kadosh et celui qui ne pouvait pas devenir kadosh. Qu'est-ce que je fais lorsqu'ils se mélangent tous les deux, par exemple? Eh ben, j'ai une solution, c'est que je les laisse tous les deux paître dans les prés. Et jusqu'au beau jour où il y en a un qui va s'écorcher l'oreille, et alors les deux, il faut que les deux s'écorchent l'oreille, je vais dire ça y est, je vais pouvoir racheter la gdoucha, j'amène la valeur d'un agneau, et ce sera devenu un mouton depuis le temps quoi, d'accord, j'amène la valeur d'un mouton, et je me dis, ben, celui qui est kadosh, que sa gdoucha soit sanctifiée sur ses pièces, et je vais ensuite aller racheter un mouton, ou même tout simplement, j'ai même mieux à faire, j'amène un bon mouton, et je dis, bon, celui qui est kadosh, c'est la gdusha, maintenant elle est sanctifiée directement sur le mouton, soit si possible. Ok? Si toutefois, l'agneau hola s'est mélangé avec un autre agneau qui est capable à devenir une hola,
mais pour le moment qui n'est pas Ola. Donc j'avais mon agneau personnel, et à part ça, l'agneau que j'ai sanctifié pour en faire une Ola. Et tous les deux se mélangent, je ne sais plus c'est lequel, donc je ne peux plus l'apporter au Beth Amikdash. Mais concrètement, entre nous, si je sanctifiais l'autre, j'aurais la possibilité de les apporter tous les deux au Beth Amikdash, et je m'acquitterai mon devoir. Maintenant, d'un autre côté, sanctifier l'autre, ça va me coûter encore 1000 shekels d'un agneau, je ne sais pas comment ça coûte un agneau. Mais j'ai peut-être pas envie de le faire, j'ai pas d'obligation de le faire. Mais j'ai quand même une solution. C'est que j'aille voir mon voisin, je lui dis, tu n'as pas une hola à faire, toi? Et on va dire, oui, parfait, donne-moi 1000 shekels, le prix que coûte un agneau. Et comme ça, maintenant, on a deux agneaux, ils sont mélangés, mais c'est pas grave. Un de nous deux, ou même tous les deux en même temps, on va aller au Beth Amikdash. Et le Kohen, il va ensuite les égorger tous les deux en disant, bon, celui qui m'appartient, celui pour qui il appartient, eh ben, qui s'acquitte de son devoir d'apporter une hola. C'est pas la peine de savoir au moment où il égorge qui est la hola de qui. Il peut le faire, ce qu'on avait appris, la notion de Stama Lishma, quand on apprenait le premier périk. D'accord ? J'ai proposé les deux solutions, avec à présent, maintenant, je vous introduis encore une autre chose. Il existe toutefois un korban qui n'a aucune solution. Le seul moyen, c'est de laisser mourir de faim. Il n'y a aucun moyen de racheter sa gdusha. Qui est ce korban ? C'est le khatat. Korban khatat. Il y a cinq conditions, il y a cinq cas de figure de khatat qui nous dit, ça rapporte dans le Bartonora, après on rentrera dans le détail. Je vais prendre un titre indicatif, un exemple par exemple. Imaginez que je devais apporter un korban khatat parce que Khalila, j'ai transgressé Shabbat. Et sans parler d'inadvertance, je devais apporter un korban khatat, j'ai sanctifié, j'ai pris une kisba, une brebis, et j'ai dit que j'allais l'apporter en korban khatat. Ce qui se passe, c'est que cette brebis, elle a disparu, et moi j'ai quand même voulu faire un korban, donc j'ai pris une autre brebis. Et puis après, une fois que j'ai fini de faire la deuxième brebis, donc, en rentrant chez moi, j'ai découvert qu'il y avait une khatat. Ça s'appelle une khatat chez Nitkapuru Baalea. Un khatat pour lequel son propriétaire a déjà fait sa kapara. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette khatat? Il n'y a rien à faire. Même si je la laisse et qu'elle va avoir un moum, je ne pourrai pas racheter. La gdusha d'un khatat, on ne peut pas la racheter. Donc, la khatat, elle est grillée. Il faut la mettre bakipa. Si vous vous souvenez de Sanhedrin, comme on est dans la kippa, on l'enferme dans une pièce, on lui fait manger de l'orge, elle va exploser, et c'est fini, on n'a rien à faire, d'accord? Donc si je récapitule tout ce qu'on a dit pour le moment, on a parlé tout d'abord que faire de manière générale, que faire avec un animal qui a que je ne peux plus apporter. Essentiellement, en fait, on va plutôt synthétiser de la sorte, en disant comme ça, on va parler d'un mélange d'un korban avec un animal qui n'est pas un korban, et on va se retrouver avec trois cas de figure. Il y a le cas de figure où je vais pouvoir apporter les deux au Beth Amikdash. Dans ce cas-là, il va falloir que je trouve quelqu'un qui a besoin d'apporter l'autre korban. C'est le cas où il y avait un agneau Khulin, un agneau Kodesh, que dans ce cas-là, je vais aller voir mon voisin, je vais lui dire, puisque tu dois apporter une Ola, vas-y, paye-moi une Ola, et maintenant, on a les deux Olot qui sont mélangés. Celle qui est à toi, elle est à toi. Celle qui n'est pas encore Kadosh, elle va devenir Kadosh. Et voilà, et tu la sanctifies. Ça, c'est une solution. Il y a toutefois, parfois, le mélange, il s'effectue avec des animaux que je ne peux pas apporter en korban, pour X ou Y raisons. Ça va être l'essentiel de la Mishnah de nous détailler les cas de figure. Mais il y a différents cas de figure. Par exemple, Yotzé Dophen, vous savez c'est quoi Yotzé Dophen? Celui qui est sorti par césarienne. Un animal qui n'est pas né par la matrice de sa mère, mais qui est né parce qu'on lui a ouvert le ventre et on a fait sortir le Vlad, il est inapte à être un korban. Qu'est-ce que je fais maintenant si mon agneau Ola s'est mélangé avec un autre agneau qui était un Yotzé Dophen, qui est sorti par césarienne? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je ne peux pas l'apporter au Beth Amikdash. Dans ce cas-là, il y aura la solution de le laisser vieillir jusqu'à que les deux vont avoir un moum, un défaut. Et dans ce cas-là, je ferai transférer la gdusha de l'agneau qui est Kadosh sur un autre agneau que je pourrais ensuite apporter au Beth Amikdash. Et il y a maintenant le cas de figure un peu plus compliqué. C'est le cas où il se mélange avec un animal que je ne peux rien en faire. C'est-à-dire mon korban Ola, imaginez que c'était une brebis Ola qui s'est mélangée avec une brebis Khatat, Shinit Kaprou Bealea, comme le cas que je vous ai dit, que maintenant l'animal n'en a plus rien à faire. Les deux se mélangent, qu'est-ce que je fais avec ma brebis qui était apte et l'autre qui s'est mélangée, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis bloqué, j'ai plus rien à faire. Il faut les laisser mourir de faim toutes les deux. D'accord? Je vous ai pris le cas de deux agneaux qui se mélangent. Et bien maintenant, on va parler du même cas où en réalité, on va se retrouver avec 250, 3000, 10 000, la Mishnah va prendre le cas, ribo, echad ribo, 10 000, 10 000 shlamim avec un animal qui se mélange de la sorte
soit un animal qui peut devenir kadosh, soit un animal qui est inapte à devenir kadosh, ou soit un animal qui doit mourir comme la Khatachin Kaprouvalea. Qu'est-ce qu'on fera? Même principe. Pour les 10 000, soit on attendra que les 10 000, d'abord, soit on pourra sanctifier l'animal qui s'est mélangé. Donc là, c'est l'histoire avec le voisin, je lui dis, puisque tu vas faire une ola, vas-y, sanctifie-le. Et comme ça, on a maintenant les 10 000 et une vaches ou animaux qui sont devenus maintenant tous kadosh. Soit on ne peut pas le sanctifier parce que c'est un... D'accord, selon le même principe, d'accord, le même principe. Donc dans ce cas-là, on les laissera tous paître jusqu'à qu'ils vont avoir chacune un mou, mais on va ensuite racheter la gdoucha. Et si toutefois, il y a une khatat qui est condamnée à mort, qui se mélange à l'intérieur des 10 000 ola, eh ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais rien faire, il va falloir les laisser, les 10 000 et une vaille et un mouton ou brebis, mourir toutes. D'accord? Voilà le principe de la Mishnah, vous avez bien compris les trois cas de figure. À présent, maintenant, on va les découvrir dans les mots. La Mishnah, elle va garnir un petit peu toute sa lachot, avec tout d'abord le premier cas de figure. Kol azvachim shenitaharvu bechataot hametot. Tous les korbanot, les zvachim, les korbanot, sacrifices, qui se sont mélangés bechataot hametot, avec des korban chatat condamnés à mort. Comme c'est le cas de figure, il y a cinq cas de figure, j'ai pas envie de rallonger le cours et de les lire. Si vous avez les capacités, lisez-le dans le Bar Tanora, c'est dans Afilochat Beribo, il va dire Vechatot Ametot, En Chamesh Veluen, Vlat Ratot, Utmorat Ratat, Vechatash Metuvala, Veshit Kabur Bala Bacheret, Veshavrash Nata. On aura l'occasion de le revoir et de plus mettre le focus dessus. En tout cas, on parle de Chatot qui sont condamnés à mort. Donc maintenant, on a eu, tel que c'est écrit, tous les Zvachim qui sont mélangés dans plein de Chatot, mais en réalité, la Gemara explique qu'il faut lire le contraire en fait. Que Kol Azvachim avait plein de Zvachim, Shinitervu Bahen, Chatat Meta. Une khatat qui est condamnée à mort. Ou encore, au Béchor, à Niskal, il y avait plein de korbanot, plein de shvarim qu'on devait faire shlamim, hola. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un shor à Niskal, un taureau qui était condamné à mort parce qu'il a tué un homme, par exemple. Ouais, vous vous rappelez de Baba Kama? Un taureau qui est condamné à mort. Donc c'est un shor à Niskal. Ou même, plus grave, un taureau qui a eu un rapport avec un humain. Donc il est aussi condamné à mort s'il y avait deux Edim. Je vous le dis parce qu'on en aura besoin pour la suite de la Mishnah. Donc au Béchor à Niskal, donc s'il y a deux témoins, et maintenant il est condamné à mort ce taureau, mais il s'est mélangé parmi tous les Khatot. Eh bien qu'est-ce qu'on fait? A Philo Echad Beribo, même s'il y avait un parmi 10 000, un seul Korban, une seule vache galeuse qui se mélange, un seul mouton, un seul taureau galeux qui se mélange avec 10 000 Taureau, Kadosh, Kodesh, Kadashim, Théorim. Eh bien, malgré tout, Yamutu Kulam. Il faudra tous les tuer. Comment est-ce qu'on fait? On les enferme dans la pièce, on les laisse mourir tous de faim. Ok, on a fini la première partie de la Mishnah. Deuxième cas de figure de la Mishnah maintenant, c'est le cas où le taureau, les korbanot, on va prendre par exemple des taureaux qui étaient Kadosh, se sont tous mélangés avec un taureau qui n'est pas capable, qui ne peut pas devenir lui-même un korban. Il a un problème, comme ça va être le cas. Par exemple, Nitarvo Beshor, Shenev Dabo Avera, Oshe Miteta Adam, Alpi Edechad, O Alpi Abealim. Tout ça, ça va ensemble. Si les 10 000 taureaux se sont mélangés avec un taureau qui a fait une Avera, qui a eu un rapport avec un humain, hein, ou encore, Oshé Miteta Adam Alpied Echad, ou encore qui a tué un homme, mais quoi? Il n'y avait pas de témoin pour les deux Averot qu'il a fait. Il n'y avait pas de témoin, il y avait juste Alpied Echad, un seul témoin. Ou encore, Alpi Abéalim, moi j'ai vu mon taureau faire n'importe quoi. Mais il n'y a pas de témoin, donc on ne va pas le condamner à mort ce taureau. Mais puisque moi je sais que ce taureau, il est maintenant inapte à devenir un korban, il est pas soul, ouais. Prat le Norovea, on apprend ça depuis les premiers psukim de Vaikra. Et la dame qui a écrit avec elle, Mina Bakar ou Minatson, là-bas, Prat de Rovea, ça va ramener dans le Rashi, dans le début du Vaikra. Donc maintenant, ce taureau-là, un taureau comme ça, c'est mélangé parmi 10 000 korbanot. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne pourrais pas dire, ben, là où il est, je vais le sanctifier, ça ne sert à rien, tu ne peux pas le sanctifier, tu ne peux pas le rendre kadosh. La Mishnah me dira à la fin que Iru Hachista avou, on va les laisser paître jusqu'à qu'il va y avoir un moum. D'accord? La Mishnah continue en me rapportant encore d'autres cas de figure, ou encore Barovea, ou Banirba. Ou bien, tout simplement, avec un taureau... excusez-moi, j'ai mal traduit. Quand il a marqué que le premier taureau, Nevdabo Avera, c'est qu'il a fait une Avera, une seconde, chez Mitata Adam... Non, c'est pas possible. Attendez, une seconde. Dalet,
Mefarech Vazil. Ah, d'accord. Le premier cas de figure qu'il a fait une Avera, en fait, on ne sait pas de quelle Avera on parle. C'est très général. Il a fait une Avera et la Mishnah nous explique les différents cas de figure. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait eu un rapport. Mon problème, il était qu'après, la Mishnah me dit Rovea ou Benirba. Rovea et Nirba, c'est que lui, il a fait l'action ou qu'il a subi l'action. D'accord ? Donc finalement, alors c'est quoi Nevda ou Avera qu'il a eu une Avera ? La Mishnah ne précise pas. En fait, ils expliquent qu'on parle d'une généralité. Il a fait une Avera. Quelle était la Avera ? Soit qu'il a tué un homme, Al-Piyadechado, Al-Pibéalim, ou encore Berovea, c'est qu'il a eu lui-même, il a eu un rapport avec un humain. Ou Banirba, c'est qu'un humain, il a eu un rapport avec lui. Ou Bamoukhtse, c'est qu'on en a fait une Avodazara. On l'a sanctifié pour en faire une Avodazara. Bon, alors il n'y a pas eu de Khalot Gdusha, mais que désormais, ouais, ok. Ou Bané Evad, ou bien tout simplement, on en a fait une Avodazara, on se prosterne devant lui, mais de nouveau, chez Frichon le Corban et l'Avodazara, Ben Evad Nami. Ok. Sans que pour autant, que malgré tout, qu'il devienne, qu'il se fasse interdire. Je sais pas, c'est ce qui me manque là, j'ai un problème, comment j'ai préparé mon jour cette fois-ci, mais c'est pas grave. Shavdou, Kavodazara Mamash, Ben Nami Moutar Laïdot. Pourquoi il est Moutar Laïdot? J'ai une question, pourquoi il n'est pas condamné à mort? J'ai oublié. Parce que je crois qu'un animal, il peut. Je sais plus. En tout cas, il n'est pas condamné à mort, peut-être parce qu'il y a eu qu'un seul témoin, je sais pas. Il n'est pas condamné à mort, mais il est inapte à devenir un corban. Ok ? Ou encore, ou be etnan ou be mechir. Etnan zona, c'est rapporté dans la parashat Kitese, dans Shoftim, plutôt à la fin de Dvarim. Là-bas, etnan zona ou mechir kelev. Deux cas de figure où un corban devient inapte à être apporté au Beth Amikdash. En l'occurrence, Etnan Zona, le salaire d'une prostituée. Il a eu un rapport, il l'a donné en salaire, il a donné une vache, un mouton, un taureau, peu importe. C'était ça son salaire. Puisque maintenant, il a été le salaire d'une chose sale, il est inapte à devenir un korban au Beth Amikdash. On peut le manger, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, il ne pourra plus être apporté en korban, c'est ce qu'on appelle Etnan Zona. Mechir Kelev. Mechir, il y a marqué Mechir, mais en fait c'est rapporté dans la Mishnah, dans la Torah. Mechir Kelev, on parle de quoi? On parle qu'il y avait quelqu'un qui est mort, qui avait laissé un chien et un mouton à se partager, par exemple. Et moi, un des héritiers a dit à l'autre, bon, prends-toi le chien et moi je prends le mouton. Puisque le mouton maintenant, il est devenu la contre-valeur du chien quelque part, alors il est devenu Mechir Kelev. Il est devenu aussi inapte au Beth Amikdash. C'est pas digne. C'est pas. D'accord ? Il est pas assez digne pour devenir un corban. Ou encore, Uba Kilaim. Kilaim, c'est que ça a été le produit d'un croisement entre une chèvre et un mouton. Il est de nouveau cachère à consommer, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, il ne pourra plus monter en corban. Uba Treifa, c'est qu'il s'est mélangé avec un animal qui a été nitraf. Alors le mot nitraf, on l'a utilisé récemment. Je n'ai pas voulu rallonger le cours, mais le mot tréfa, initialement, c'est nitrof, c'est qui s'est fait, comment dire, qui s'est fait agresser par une bête féroce. Ouais, par exemple, je sais pas moi, un lion, il est venu, il lui a mis un coup de griffe. Il y a un certain poison dans les ongles, apparemment, qui va faire que l'animal est devenu taref, il risque de mourir, d'accord? Donc ça, voilà un cas de figure. On sait, par exemple, qu'il y a eu un de ces moutons, un mouton, qui a reçu un coup de patte d'un mouton ou d'un loup, plutôt un coup de patte d'un loup par exemple, et que maintenant il est devenu taref, on ne sait pas c'est lequel. On ne peut pas voir, pour X ou Y raison, on ne réussit pas à retrouver à quel endroit il a été blessé pour le retrouver, donc on ne peut pas le reconnaître. Et maintenant il s'est mélangé avec les autres, donc on ne pourra plus maintenant les apporter en corban, étant donné qu'il est devenu taref. On ne va pas pouvoir le voir et voir à l'intérieur de lui qui est devenu taref, mais on sait qu'il y en a un qui est plus apte à devenir corban. Veoube Yotzedofen. Yotzedofen, c'est celui qui est sorti par les parois. D'accord? Donc, par césarienne. Dans tous ces cas de figure, Irraou Hache Istaavu, il faudra faire paître les animaux jusqu'à que Istaavu, qui vont devenir Meso Avim, répugnés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un moum. Et dans ce cas-là, Veimacheru, et on les vendra. Veyavi Bidmea Yafeshe Bahen Meoto Amin. Et on les vendra. Et on apportera par celui qui coûtait le plus cher, on apportera un corban. C'est-à-dire, le principe est simple. Imaginez que j'avais trois agneaux, un qui était kadosh, qui s'est mélangé avec deux qui étaient choulin, qui ne pouvaient pas devenir
qu'on ne pouvait pas faire un korban comme ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Mais on ne sait pas à qui était Kadosh. Ils se sont mélangés tous les trois. Alors la Mishnah me dit, bah, tu sais quoi, tu les laisses paître jusqu'à que tous les trois ils vont avoir un moum, un défaut, et puis ensuite tu vas les vendre. Imaginez que j'en ai vendu un à 1000, un à 1100 et l'autre à 1200. Ben, la Mishnah me dit, bah, dans le doute, tu ne sais pas qui est Kadosh. Peut-être que c'était celui qui était à 1200, peut-être que c'était celui qui était à 1000, tu ne sais pas. Et bien dans le doute, tu prendras celui qui coûtait le plus cher, le bidme ayafé shebaen, celui qui avait la plus grande valeur. Tu supposeras que c'était probablement lui qui était Kadosh, qui était saint, et par, avec ses 1200, tu apporteras un nouveau korban. Ok ? Maintenant, nit'arev bechulin tmimim, le troisième cas de figure maintenant, c'est que les korbanot se sont mélangés dans des chulin tmimim, des behemoth profanes qui sont tmimim, intègres, aptes à devenir des korbanot. Alors la Mishnah me dit, ben, la solution cette fois-ci, ce sera de imacheru achulin litzrichei ou litzorkei oto amin. On vendra les chulin, on les vendra tous. On dira, ben, écoute, tu avais deux animaux kadosh qui se sont mélangés dans cinq animaux profanes. Ben, combien coûte un animal profane? Combien coûte d'acheter un mouton, par exemple? Deux moutons qui sont mélangés kadosh dans cinq moutons. Combien coûte un mouton? 1000 shekels. Eh bien, tu vas vendre pour les 5 fois 1000 shekels, donc 5000 shekels, tu vas vendre les 5 korbanot pour en faire des korbanot. Imacheru achulin, tu vendras ceux qui sont profanes. Litzrichei otoamin, les mishetzarich, pour tout celui qui a besoin d'apporter la même sorte, comme le cas, tu vas trouver 5 personnes qui ont besoin d'apporter un korban. Ola, par exemple, et tu vas dire, ben, je vous les vends, et après tu prends les 7, tu les amènes au Beth Amikdash, et tu dis au Kohen de les égorger, sans savoir à qui ça appartient, c'est pas grave, selon la règle du Stama Lishma qu'on apprenait au tout début de Masechet Zvachim. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.